bulle de larmes. And in front of us, behind the trees, you can see the tower of the Church of Our Lady, 122 meters high, or 410 feet. It's the highest brick tower in the Low Countries. The church is famous for the mausoleums of Mary of Burgundy and her father, Charles the Bold. Also, you will see in white marble the statue of the Madonna by Michelangelo, the Madonna with a child. And that's inside the church. And la tour de l'église Notre-Dame de Valois, avec une hauteur de 122 mètres, c'est la plus haute tour en briques des Pays-Bas. L'église abrite les mausolées de Maria de Bourgogne et de son père Charles le Téméraire, ainsi qu'une Madonna marbre blanc par Michel-Ange, l'enfant de l'enfant. Oh, sur le point à la derecha, la iglesia Nuestra Señora, con una altura de 122 metros del siglo XI. Allí están los mausoleos de María de Borgoña y su padre Carlos el Temerario, y también la Madonna a mármol blanco de Michelangelo. Ah, oui. Et entre les mains dans le bateau ici, le pont plus petit, keep the hands inside the bar, please. Oh. El Manuel Vargo, et le point Thomas Piquet dans le breton. Una vista magnifica por fotografiar, después del puente a la derecha. La iglesia Nuestra Señora. Una vista magnifica. Take a nice picture, it's lovely view, eh? L'image, prendre une photo. Ah oui. Nature de l'église Notre-Dame. Church of Our Lady. Now on your left hand side, all private houses. Most of the houses are from the 17th and 18th century. Ce sont toutes des maisons particulières à gauche qui datent du 17e et 18e siècle. On a escuché à toutes les cases privées, les pequeñas de 5, 17, 18. Oh. Si, si. Après le pont à droite, l'ancien hôpital Saint-Jean.